Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression qu'il fait moins 40. On se retrouve pour un vlog balade. On va en balade avec les chuchus. On va essayer de faire une grande balade. On va voir le temps que ça nous met. C'est la première fois qu'on l'a fait celle-là. Donc vous allez venir avec nous en péripétie comme d'hab. Si on se prend un orage sur la tronche, Vous serez là, voilà. Du coup, on est au pré, on va chercher les chuchus et voilà. Et du coup, à la fin de la vidéo, donc à la fin de la balade, etc., on vous fera le bilan ostéo. Il y a l'ostéo qui est venu jeudi dernier. On était le 19 mai. Donc voilà, on vous fera un petit résumé à la fin. Voilà. Tu vas faire un grand tour les chichis. Ouais. La prochaine fois que le maraîchal y vient, c'est ferrage obligatoire. Non mais ils sont défoncés. Chichi. Et voilà. Regardez comme elle est belle ma chichi. La Lily. Elle est moche. Moche. Bon, on est prête, on vous retrouve en GoPro. Coucou les salons. Je vais descendre pour ouvrir. Oui. Hop. Oui. Allez, tu tournes. Ifi, tu tournes. Allez. Ifi. Allez. Voilà. Ok. C'est bon. Doucement dans les cailloux, doucement. Voilà. On s'arrête. Oh, là. Hein, c'est bien, ma Lily, tu tournes bien les fesses. Bah, ça fait trop, hein. Oula, il y a une fetus. Oh, oui, fille. On attend Lily. Oh, tu attends. Tu marches? Oula, fetus. Oula, là. La fetus. Oula, là. Oh, Ifi. Oh, on attend Lily. Ifi. Oh. Non. Non. Ah, contrarié de ouf. Bah moi pareil, là, bon. Incroyable. C'est bon? Ouais. Est-ce que t'es prêt? C'est bien. Tifi, parce que t'as du jus, hein. Allez. On va liquider un peu tout ça. Attends, oh, il y a des cailloux. Voilà. Marche, marche, marche. Hop. Tout doucement. Voilà. C'est bon, on y va. Alors là. Super. Oui, il y a du sable.
Et attention, on va croiser le chemin. Oh, très bien. Très bien. Là, on monte. Hop là, doucement. Garde-la. C'est ça. Toujours la prems, la chichi. Ah, une flaque. La soif. La soif, la chichi. Oh, ma chichi. Ah, Lily aussi, la soif. Elle a l'air super bonne. On n'a pas vraiment. C'est sûr qu'elles, elles sont moins difficiles que nous. Hein. Bah, apparemment, oui. Là. Oh Lily, pas déjà. Oh, c'est la première flaque qu'elle trouve. Allez, ouf. Là-bas, ouais, là-bas, il y a droit des grosses flaques. Hein. Tu fais pas du bain, hein. Tu te couches pas, hein. Ah oui. Doucement, les filles, il y a des cailloux. Eh, doucement, les filles. Doucement, il y a des cailloux, Ifi. Eh oh, oh, il y a des vaches. Ouh là là, il y a des vaches. Alors là, c'est la panique pour la chichi. C'est la panique pour la Ifa. Oh, elles sont au bord du chemin. Je suis dans le caca. Attends, on va laisser passer la chichi. Tu vas suivre. Ouais, c'est ça, elles se sont barrées. C'est pour ça qu'il y a des traces au milieu du chemin. Ouais, elle a... Mais là, les genisses, c'est pas de l'herbe qu'elles ont, c'est du foin. Et... Ah ouais? Elles ont un. Il y a un paquet d'herbes. Ah, il faut que tu avances, Ifi, parce que. Ouais. C'est dur pour toi. Ah oui, mais en fait, elles sont passées. Hein. Elles sont revues. Ah, mais en fait, non. Elles ont rien à faire là, je pense. À mon avis. Elles ont rien à foutre là. Oh, par contre, si le parc est ouvert, non, elles ont le fil devant elles quand même. Ça va, Ifi. Tout va bien. Ça va. Ça va. Il y a un fil. Sans déconner, on a de la chance qu'il y ait le fil parce que sinon, elles nous suivaient. Hein. Pourquoi il faut toujours qu'il nous arrive une merde? Ah bah ça c'est sûr. C'est juste là qu'il y a pas de fil. Ouais bah elles sont passées hein. Bah, oui, elles ont rien à foutre dans le foin hein. Bah, il y a des merdes partout là. Ouais bah oui. Où est leur parc à ces vaches en fait? On a rien vu. Mais ça c'est des laitières ou c'est des taris hein, parce que... Bah elles ont un collier. Elles ont le collier de... Ah non, Ifi, non. Elles ont le collier de la salle des fêtes. On arrive dans l'environnement préféré de Lily. Alors ma Lily? T'es dégoûtée? Il n'y a pas trop d'eau, elle ne pourra pas se coucher. Ouf, je l'ai mis. Hein. Elle est trop contente. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Maïfa? Le mec qui perd leur vache, c'est qu'elle aime. Ah, elle a faim aussi. Elle, a faim. Elle aimerait bien. Allez, chichi. On va pas dans la flaque. Oh, mais... Mais elle est pas nette. Oh. Allez Maïfa, tu
je peux plus la boire maintenant, c'est de la bouillasse. Ifi, on fait pas une reprise de dressage. Tout ça pour monter au galop, quoi. Arrête, hein. C'est bon. Voilà. Ok. C'est trop, trop beau. C'est trop joli. Oh la vache, la vue de dingue. Pourquoi ils ont parsemé à cet endroit-là? Mon Dieu, la vue de dingue. Là, vraiment, mais vraiment, la vue est incroyable. On est parti pour marcher dans les souches. Nickel. Regarde où tu vas, Ifi. Mon Dieu, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ce chemin? Bah, il y a plus de chemin. Oh non. Oh bah, je vais descendre. Bon, nous sommes descendus de cheval cause chemin escarpé. Parce que là, ça descend et c'est vraiment super étroit. Et ça descend de ouf. Hop, mets-toi derrière moi, ici. Voilà. Là-bas ou là-bas? Non, là-bas, tout droit. Tout droit, on descend? Ouais, ouais. T'es sûr? Bah oui, ça descend. Et le chemin, là, il va où? Oui, oui, même, je sais. C'est bon, donc t'es pas perdu? Non. Ok, on n'est pas perdu. J'ai cru. Il y a des racines, hein? Ouais, putain, c'est plein de racines. Ah, il y a très bien. Doucement. Bah oui, je suis là, hein. Doucement, hein. Voilà. Bon, bah, on va se faire la balade à Yep, hein. Ouais, c'est pas grave. Doucement, chichi. Normalement, vers la gauche, il y a un à gauche. Ouais. Bon, on a cru qu'on était perdu, mais en fait, on s'est retrouvé. Enfin, chichi. Ouais, on ferait 15 000 km, elle serait encore complètement excitée, elle. Je te jure. Voilà. Tu peux rester par ici. Calmos. On continue notre route à pied. Parce que c'est super étroit et ça descend à mort. Doucement, Maïfa. Waouh! Ouais, je reconnais. Mon oh, punaise, c'est terrible, le... les tout petits chemins. Oh là là. Oh là 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 là. C'est compliqué. Doucement, Ifi, regarde où tu vas. Et tu m'écrases pas. Non mais carrément quoi. Il n'y a pas du tout de place. Ah là on rigole pas nous. Quand on va en balade... là c'est la balade quoi. Ah un petit peu de plat. Ouh ça fait du bien. Ifi qui peut pas s'empêcher de choper des herbes au passage. Wow, le pré blanc. Alors tout à l'heure c'était un pré rouge, et là c'est un pré blanc. Ah yes. Du coup on a fait tout le flanc de la vallée à Yep. On a fait tout le flanc de la vallée à Yep. Tellement ça descend. Oui les chichus, on retrouve un chemin normal. Ouais. Non, c'est dangereux, franchement c'est dangereux. À
aller, Lily. Oh, ça fait bizarre d'être à cheval. Non, mais c'est vrai. Bon, comme vous l'avez remarqué, on a changé de caméraman. Hein. Je pense que Lily n'est pas de la même couleur qu'ici. Donc, au cas où vous pensiez qu'on a changé de cheval, ce n'est point le cas. Je n'ai point envie de décéder, moi. Voilà. Malgré votre demande, ce ne sera pas pour maintenant. Voilà, et que ici sera longé pendant 35 minutes avant. Ouais, doucement, Lily, tu vas glisser avec tes fers. Hein. Doucement, hein. Voilà. Ouais, super ça. On va doucement, il y a des cailloux. Oh là là. Les branches, évidemment. Passe voir à droite, voilà. Parce que là, il y a un gros caillou. Ouh. T'as les cailloux là, je t'explique pas la taille qu'ils doivent faire. Passe voir à gauche, voilà. Nickel, Lily, très bien. On descend de la montagne à cheval. Lily, on va à droite, hein. Bah oui, tu vas où là? Non, passe voir à gauche. Lily, non. C'est bon. Non, non, bah pas trop à gauche, on va se péter. Oh, bienvenue à bord du bateau, Lily. Doucement. Elle est là, la copine, t'inquiète. Oh, mais Lily, elle me fout la gueule dans les branches. Qu'est-ce qu'elle a, là, Ufa? Ah, d'accord. Le petit pont. Nous, on fait du PTT, nous. Ah oui, il y a de l'eau en plus. La dernière fois, je crois qu'il y avait plus d'eau quand on est passé là, si. Tu veux boire, Lily, non? Non. Eh ben d'accord. Allez, ma chichi, ça monte. Ça va remettre un peu la selle en place. Parce qu'elle avait un petit peu avancé. Allez, toutes les branches, putain. Lily! Non mais... Je vais prendre toutes les branches. Oui, bonjour, bonjour. Non, Lily, tu manges pas. Oh, t'as sur le cul, c'est bon, j'ai pas touché. Tu vas à gauche, j'aime pas quand tu te mets à droite parce que tu vas dans le talus, mais vu que tu glisses, bah, moi je tombe là. J'ai pas envie, tu vois. Ça sent la chichi. Ouais. Allez, Lily, trottez. Arrête. La gueule par terre, quoi. Lily, galop. Allez. Encore. Allez. Oui. Non. Et tu marches. Très bien. On trotte un peu. Ça, bah t'es en forme, hein. Putain. On va galoper, t'inquiète. Lily, galop. Pas voulu caloper, ma chichi. Oui, j'ai vu ça. Je donne un bout de carotte à Lily. Un tout petit, minuscule. Et l'autre bout, c'est pour ma chichi. Tiens. Voilà.
pas, madame. Ça sent les huiles essentielles, hein. Attention, hop. On va en mettre un peu de ce côté. On est revenu. Ils sont pas bougés les ânes. C'est bon les sanons, on vous a déjà perdu le week-end dernier. Allez. Ma chichu, elle attend sa friandise. Ouais, sur la t'inquiète. Je les ai gardés. Bah alors. Ah oh bah indien, c'est une faille. Hein. Indien. Mais. Et. Allez, dépêche-toi. Pinocque, s'il te plaît. Indien. Pinoc, s'il te plaît. Bah, Ufa, du coup, tu te barres. Oh non, elle a pas eu sa friandise, ma chuchu. Attends, hop. Prends la friandise, chuchu. Voilà. Voilà. Nous sommes rentrés de balade. Nous avons fait 1h45. Ah, tout s'est bien passé, nous sommes pas mortes. Ouf. Vous avez pu le voir. Et du coup, bah, je viens pour faire le bilan de l'ostéo de jeudi dernier, du coup. Donc Lily, avant que l'ostéo y vienne, elle ne voulait plus galoper en balade, enfin nulle part quand j'étais sur elle. Donc elle galopait toujours avec ses copains et même, enfin bref, voilà, je la sentais pas très bien et même au trot. Pareil, quand le maréchal est venu, il lui a fait, bah, ça je vous l'avais expliqué dans la vidéo du maréchal, mais je vais vous le redire. Le postérieur gauche, quand il l'a pris, il l'a soulevé comme ça, parce que bah, pour mettre les clous, les fers et tout. Et elle a été méchante carrément. Donc là ça voulait dire que elle avait mal quelque part. Parce que Lily elle est pas méchante. Même quand on l'a fait chier, enfin, elle se barre. Et puis voilà, mais elle ne sera jamais méchante. Et donc elle avait tout le bassin bloqué. Donc je crois que c'est L2, le sacro-iliaque gauche. Donc c'est près de la hanche droite bloquée. Un truc du genre, hein. C'était tout derrière, tout le bassin. Donc voilà, ça prouve bien qu'elle avait mal quelque part. Et du coup, tout s'est arrangé. Elle regaloppe en balade et tout va bien. Voilà. Les ânes, donc Pinocque, bah pareil, il a toujours son arthrose au genou gauche. De toute façon, ça partira jamais. Du coup, l'épaule gauche était un peu bloquée parce que bah du coup, il compense. Oui, c'est le genou droit qui l'a mal. Et du coup, il compense avec l'épaule gauche. Donc il était un peu bloqué là. Et pareil, il était un peu bloqué en diagonale, donc au postérieur gauche. Et puis il était un peu tout de travers, enfin bon, c'est un vieux, voilà, il a de l'arthrose en plus, donc il doit compenser avec le reste de son corps. Ensuite indien, donc il avait un peu les épaules qui craquent apparemment. Pour l'instant il n'y a pas d'arthrose, mais bon voilà, de toute façon ils sont plus tout jeunes. Pareil dans les jarrets, je crois qu'elle avait dit qu'il y avait peut-être un début d'arthrose. Pour l'instant il va bien, donc voilà. Si je redonne des orties à Pinocque et tout, je lui en donnerai lui aussi. De toute façon, ça lui fera pas de mal. Ah, indien, il avait une des deux hanches qui était bloquée. Je sais plus exactement, mais voilà, lui, ça allait franchement... Rien de grave, quoi. Rien de grave. Mais de toute façon, ils avaient rien de grave, les trois. Oui, enfin, les quatre. Les quatre, oui. Les filles. Ensuite, Ify. Donc, Ify, elle avait le boulet postérieur gauche bloqué. Donc, elle l'a remis, nickel, voilà. Sinon, tout va bien au niveau de sa nuque et tout. Donc, elle avait aussi une contracture sur le dos. Donc, tout pile au niveau de la selle. Parce qu'on a même essayé la selle de Ify pour voir si ça allait. Je vous en parlerai après. Donc, elle a enlevé la contracture. Et en fait, c'est dû à la selle parce que sa selle était plus bien mise. Enfin, elle était trop étroite parce que la saddle fiteuse est venue 2 jours après l'ostéo, donc nickel. L'arcade était devenue trop étroite parce qu'apparemment, Ify a grossi en 3 mois. Enfin,
c'est choquant, mais bon, bref. Oui. Du coup, la selle reposait devant et derrière, mais plus au milieu. Et du coup, derrière, Stéphanie, bah, quand elle s'assoit, bah, ça va plus vers l'arrière de son dos. Donc, du coup, la selle a créé une contracture. Voilà. Au top. Aussi, bah, du coup, la selle fideuse a changé l'arcade, donc c'est plus gros. Stéphanie l'avait appelé à la base parce que la selle avançait, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, on vous mettra quelques photos de la selle après une descente. Donc là, c'était une forte, forte descente et Stéphanie n'était pas dessus. Mais même quand on fait une petite descente, elle avançait, enfin, c'était catastrophique. Et du coup, là, tout va mieux. Tout va mieux, tout est arrangé. Donc l'ostéo a aussi senti que Ifi, elle avait une sensibilité à l'estomac. Donc c'est juste ici, au passage du sangle à gauche. Donc du coup, elle lui a remis de l'énergie. Enfin, elle fait des trucs là, je sais pas trop comment. C'est une sorcière. Enfin, Ifi, de toute façon, elle nous a dit qu'elle était super sensible. Et même la salle de l'fiteuse. Donc voilà, Ifi sera toujours un peu chiante. J'ai oublié de vous dire que Pinoc, il avait son foie un peu... Donc son foie était trop actif vu qu'il y a le retour de l'herbe, etc. L'herbe très riche. Donc voilà, du coup, elle l'a un peu calmé. Elle a calmé son foie. Et du coup... Du coup, ça va mieux. Donc, tout le monde est tout neuf. Toutes les selles vont tout bien. J'ai même fait essayer la selle à Lily. Et l'ostéo a dit, c'est nickel. Et du coup, ça a changé de qualité parce que la caméra a plus de batterie. Mais on veut finir absolument parce que j'ai plein de choses à dire. On voulait vous dire ça parce que bah, c'est hyper important d'avoir une selle adaptée à son dos. Donc voilà, les deux ont des selles nickel à leur dos. Elles avancent pas ni rien. Et de faire voir un ostéo parce que bah, pareil... Elle a remis tout le monde tout droit. Enfin, Lily, elle partait plus au galop. Enfin, je la sentais bizarre, même au trot, etc. Et là, maintenant, voilà, je ne peux plus l'arrêter. Mais, bah, même Ifi, sa contracture sur le dos, enfin, ça aurait fait quoi à force. Enfin, voilà, Stéphanie, ça va, elle n'est pas trop lourde, mais bon. Ça aurait pu être fragile quand même. Ouais, ça aurait pu être grave à force. Ouais. Et donc, du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!